Bonjour. Ce n'était pas la première, mais c'est comme ça. Moi, je suis là pour parler de la lumière éphémère telle que je la perçois, c'est-à-dire dans le monde du spectacle. C'est un état d'esprit, c'est une philosophie, c'est avant tout un travail qui amène au plaisir des yeux. Lorsque j'ai commencé ce métier, j'étais musicien, je faisais des percussions. Et puis, au fil du temps, j'ai organisé des concerts, toujours autour de la musique. Et puis, au bout de quelques années, je suis passé de l'organisation de spectacles à la technique, puisque j'avais trouvé quand même que la lumière, pour le coup, était un outil majeur pour communiquer, pour exprimer tout un tas de choses. Et dans le spectacle, en fait, on n'a pas de limite. On n'a quasiment aucune contrainte. On peut dire qu'on sculpte, on monte, on occulte, on se sert de la lumière comme on veut, afin d'arriver finalement à nos fins et pouvoir vous présenter à vous, public, une image que l'on a dans nos têtes et essayer de faire partager une émotion au travers de cette image-là. Il y a un mot qui revient systématiquement quand même, qui m'a moi toujours profondément ému, c'est la magie. En fait, on a tous de la magie en nous. On a tous enfoui dans nos vies ce côté enfantin qui fait qu'au travers de la lumière, on arrive à le retracer. La lumière, c'est un vocable poétique qui permet d'exprimer quelque chose. Et pour pouvoir exprimer ce que l'on veut en lumière, ça nécessite l'apprentissage d'un langage, donc d'un vocabulaire qui passe par des mots. Et ces mots, ce sont les outils. Les outils, ce sont des projecteurs. C'est ce que vous avez devant vous en illustration, c'est-à-dire, enfin, c'est simplement pour vous expliquer très rapidement. Le début de la lumière, c'est un... Bien sûr, ça a commencé avec des bougies. Mais lorsque moi j'ai commencé, on n'était plus aux bougies, on était à des projecteurs fixes avec un faisceau qu'on agrandissait, qu'on refermait et qu'on mettait sur un personnage. Mais il fallait choisir la couleur, l'intensité, le positionnement. Et c'était déjà quand même assez fastidieux, mais malgré tout, ça nous permettait de commencer ce métier. Et puis, l'optique a évolué, et ça nous a permis de pouvoir avoir des cadreurs, et donc de pouvoir y mettre des gobos, c'est ce que vous avez, c'est-à-dire des formes, lambda, géométriques ou pas, qui nous permettaient d'envoyer un effet, un peu comme un tableau, sur un sol ou sur un mur. Techniquement, on est passé des projecteurs simples à des projecteurs à miroir, où en fait la lumière sortait d'une boîte à lumière, allait se réfléchir sur un miroir, et on pilotait le miroir depuis la régie. Et ça nous permettait déjà d'avoir une mobilité de la lumière. Et puis on est arrivé à ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire des projecteurs automatiques, où on dispose de toute la palette graphique, un peu comme en peinture, pour pouvoir choisir les couleurs, changer la taille du faisceau, l'orientation du faisceau, et puis faire des effets dans le ciel, sur scène, où on peut l'imaginer. Ça, c'était la partie un peu technique des outils. Aujourd'hui, ces outils-là nous permettent de traiter des façades, de faire de l'habillage, du décor, dans une ville, sur un bâtiment quel qu'il soit, de manière beaucoup plus simple qu'avant, et surtout de pouvoir transformer en fait un édifice. Et c'est là où la magie revient. C'est qu'en fait, ça nous permet en un rien de temps de pouvoir projeter des motifs et donc sublimer un bâtiment comme l'Opéra de Bordeaux, par exemple, lors d'un concert. Mais on est toujours dans un facteur temps très particulier avec la lumière en spectacle, c'est-à-dire qu'en fait, nous, la deadline, c'est un jour, une heure, et après, c'est fini. Donc, voilà, on va vite, on intervient, on met en œuvre ce qu'on a préparé, et puis après, on essaie de faire passer un sentiment. Les concerts, c'est là où la lumière a le plus de dimensions vivantes, je dirais, aujourd'hui. Dans le sens où vraiment, là, on est dans le partage avec les gens qui sont dans la salle, les artistes sur scène, et aujourd'hui, entre les effets de fumée, etc., on arrive vraiment à sculpter et à donner des images très précises. J'ai le souvenir d'un concert où je faisais l'éclairage, c'était un concert de Stanley Clark. Et à ce moment-là, il y avait une sonorisatrice qui tournait avec l'artiste, une américaine, et qui m'avait dit comme consigne dès le départ du spectacle, c'est-à-dire de poser des effets de lumière, des tableaux, en fonction de chaque morceau, mais de rester calme, de rester posé.
malgré tout, vu la musique que j'entendais et qui pour moi générait une émotion forte, hein, il y avait du groove, ça bougeait, donc je ne pouvais m'empêcher que de faire bouger mes doigts et de faire bouger la lumière sur scène. Et à chaque fois que je le faisais, en fait, le public réagissait dans la salle et se levait et se mettait à danser. Et elle se retournait systématiquement, me criait dessus en anglais, stop it, stop it. Et puis je lui disais oui, j'arrêtais, 3 minutes après je recommençais. Ça a été comme ça tout le show. Je ne me suis pas fait une amie, mais bon, j'étais content de moi et finalement le public était très content aussi. Voilà, c'était juste un souvenir, mais qui m'a fait prendre conscience peut-être vraiment à ce moment-là de l'importance de l'énergie que la lumière vivante, on va dire mobile, en mouvement, pouvait générer chez les gens. C'est-à-dire en fait un accompagnement véritablement d'une manière de mouvoir, d'une manière de bouger, de ressenti. Quoi. Au-delà de la musique, ça fonctionne avec. Quoi. Et ça rentre en osmose avec la musique. Au-delà de la technologie qu'on utilise lors de spectacles comme des concerts, il y a aussi l'aspect plastique, c'est-à-dire qu'en fait, la lumière, c'est de la poésie. Alors c'est prétentieux que de vous dire ça comme ça, mais c'est dans tous les cas ce que je pense. Et c'est de la poésie dans le sens où lorsqu'on intervient sur une installation, comme le parc que vous voyez derrière moi, c'est dans le cas du festival Lyon Lumière par exemple, là, la technologie, elle est basique. Ce sont des guirlandes et de la lumière verte dans la gélatine sur des lampadaires. C'est très simple. L'idée, là, n'est pas d'utiliser de la technologie pour en soi. Ça n'est pas une fin. L'idée, c'est de pouvoir transformer un endroit, de le proposer au regard des gens qui s'y promènent, de manière différente de ce qu'ils ont l'habitude d'y voir. En l'occurrence, les Lyonnais, puisqu'ils s'étaient concernés directement pour eux, là, dans le cas présent, mais et puis les badauds qui venaient d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui l'avaient vu en plein jour le voyaient d'une certaine manière, l'imaginaient d'une certaine manière la nuit, et là, on le transformait en faisant autre chose. Et là, on n'a pas de technologie. Donc, on revient à l'essentiel, c'est-à-dire, c'est une image. Autre image, mais qui est dans le même registre, en fait, on est vraiment là sur le parc de la Tête d'Or à Lyon, c'est un exemple, hein, c'est, encore une fois, voilà, on simule une saison au travers de la lumière qu'on projette sur des arbres et des objets que l'on met au sol. Là encore, on essaie d'amener de l'émotion et d'amener un sentiment de froideur, de susciter des sensations chez le public qui s'y promène. Et là, c'est un peu une juxtaposition des deux, c'est-à-dire qu'en fait, là, il y avait une demande qui était de travailler entre la basilique, un point haut de la ville, et la passerelle sur le Rhône, un point bas. Il fallait créer une liaison, il fallait travailler sur les deux édifices, et après, donc, il y a des choix techniques qui s'imposent pour pouvoir se faire. Malgré tout, la lumière dans l'inconscient collectif, c'est quand même la fête. Et on se rend compte, toujours maintenant, qu'on a tous en tête l'image de la guirlande d'une guinguette. Lorsque vous allez boire un coup à droite ou à gauche, où il y a 3 guinguettes qui se promènent au-dessus de vos têtes, je pense que ça nous fait tous le même effet. Les lampions en Asie, c'est pareil. Les bougies qui flottent dans des papiers pliés colorés sur l'eau, c'est la même chose. Et cet aspect-là, il est toujours important de s'en souvenir et d'aller le rechercher. Ça permet d'aller recomposer, un peu comme un peintre avec une palette, d'aller chercher des couleurs et finalement de reproposer encore des regards différents. Dans cette image, le peintre Hooper montre un environnement obscur et avec une lumière intérieure très forte qui se détache littéralement. Ce que j'apprécie et ce que j'aime beaucoup dans cette œuvre, en fait, c'est ce contraste et cette envie que cela suscite au regard de pouvoir pénétrer finalement dans ce bar et d'aller rejoindre les gens qui y sont. Voilà, c'est un clin d'œil, mais la peinture, dans ce sens, est aussi un vecteur de lumière très très important. Là, c'est une photo que j'ai eu le loisir et la possibilité de prendre il n'y a pas très longtemps. Et la baie d'Along, au lever du jour, là, c'est simplement magique. Je pense que c'est difficile de faire plus pur. On est loin de la lumière artificielle, on est loin de la lumière de spectacle, on est simplement dans l'élément naturel. Un lever du jour, loin des bruits de la cité, des véhicules, etc., etc. On est ailleurs. Et là, c'est la nature qui reprend le dessus et qui vous emmène, tout simplement, avec les brumes qui se dégagent et qui vont petit à petit se dissiper avec la journée. Dans cette image,
c'est aussi un souvenir personnel. C'est la lumière en Toscane. Et là, cette lumière-là permet, je dirais avec les infinités de nuances, de jaune et de vert, et cette brume qui va aussi se dissiper petit à petit, de ressentir et de sentir le parfum des oliviers. Et là, cette vision de la lumière me rend contemplatif. Et c'est ce que j'essaie de faire au travers de mon travail, dans la lumière de spectacles ou d'événements, c'est d'aller pouvoir faire ressentir ce genre de choses à ceux qui sont présents. Celle-ci, c'était Sabouira, un coucher du soleil. Tout le monde a vu des couchers du soleil, tout le monde s'extasie devant les couchers du soleil, ici ou ailleurs, dans le monde entier, et c'est normal parce que c'est magnifique. Une anecdote, celui-ci, j'étais sur les remparts des Sabouira avec mon épouse et mes enfants, et puis on avait assisté pendant une demi-heure à la déclinaison du soleil, et quand, en toute finalité, celui-ci disparaît sur la ligne d'horizon, j'applaudis. Et je me mets à applaudir. Mes enfants m'accompagnent, et à ce moment-là, des centaines et des centaines de personnes sur les remparts applaudissent, en criant et en scandant des bravos et des hurrahs. Et là, on est face à la lumière de spectacle, mais tout simplement totalement naturelle, et l'humain, à ce moment-là, en partage, remercie cet élément-là, Dame Nature, de nous avoir fait vivre ça. Dans mon métier, on utilise la lumière pour éclairer des artistes sur scène, pour éclairer des orateurs, un conférencier, pour éclairer des dîners, des espaces de réception. Alors il y a le sens éclairage, où là on est sur du fonctionnel pur et dur, et puis il y a un sens artistique, et on s'efforce à amener un sens artistique à tout ça, pour pouvoir encore là provoquer des émotions. Cette image-là, vous la connaissez certainement pour les Bordelais, ce sont les quais de Bordeaux avant les grands travaux, dirais-je, à l'époque où il y avait encore les hangars. À ce moment-là, la mairie de Bordeaux me demande tout simplement de trouver une solution pour éclairer ce qu'on va qualifier de promenade, puisqu'à l'époque, les Bordelais ne se promenaient pas du tout, c'était sombre, et c'était, je crois, l'organisation de la première fête du vin. Il s'agissait là de trouver, dans le Paris en fait, il s'agissait de trouver le moyen de mettre de la lumière sur toute une zone tout en longueur, sur laquelle il n'y avait aucun point haut, pas de lampadaire, rien du tout, et puis sur laquelle des milliers de personnes allaient se promener, dans un environnement relativement dangereux, bord du fleuve, donc il fallait absolument trouver de la lumière. Et là j'ai proposé de créer un dispositif simple, basé sur deux voiles, pour rappeler symboliquement les bateaux, qui permettait d'avoir une lumière réfléchissante au travers des voiles en soirée, d'avoir un point haut pour y mettre malgré tout quelques projecteurs, et surtout, c'est qu'en journée, ces voiles-là avaient leur propre vie. Donc en créant un objet qui me permettait finalement de faire de la lumière comme j'en avais besoin, cet objet-là avait sa propre vie en journée. Et là encore, lorsque les gens se sont promenés pour la première fois de cette manière-là sur les quais, et que j'ai entendu des réactions, des étonnements des uns des autres, des sourires, des regards pétillants, des étincelles dans les yeux, je pense que j'avais fait mon job. L'imaginaire que l'on a tous en nous et varie selon chacun d'entre nous. Et lorsqu'on travaille sur des bâtiments, encore une fois en éphémère, puisqu'en fait à ce moment-là on peut tout se permettre. C'est-à-dire qu'en fait nous on n'a pas de contrainte de pollution lumineuse, on n'a pas de contrainte d'éblouissement, on n'a pas de contrainte de visibilité du long terme, on n'a aucune contrainte. La seule contrainte qu'on ait, elle est budgétaire. Mais donc on est face à nous-mêmes et on fait ce qu'on veut. À une époque, on utilisait des projecteurs diapositives qui s'appelaient des panis et qui permettaient de projeter des grandes diapositives. Alors au début, on plaquait des images sur une façade et puis on était content. Après, on s'est dit, il faut que ça bouge. Ces images-là, on les a superposées, on a mis des machines les unes à côté des autres. On a fait passer des images dans un sens en même temps des images dans l'autre et on a créé du mouvement. Et petit à petit, ça nous a permis d'évoluer largement et de passer ensuite à une technique qui aujourd'hui est beaucoup plus poussée, sophistiquée, qui est celle de la vidéo, mais qui est totalement imbriquée à la lumière. Aujourd'hui, on fait de la lumière au travers de la vidéo. Là, vous allez voir un petit sujet vidéo qui ne dure pas longtemps et qui est une réalisation qu'on a faite il y a 15 jours, que je vous laisse découvrir et je reprends la parole dans quelques minutes.
mais pas que. C'est-à-dire qu'en fait, on se sert du bâtiment vraiment comme d'un écran, mais aussi en même temps, évidemment, on tient compte au millimètre près de cet écran-là. Puisqu'en fait, toutes les formes qui apparaissent à l'image ont été calculées, formatées, le bâtiment a été modélisé en informatique, et ça nous permet aujourd'hui d'aller bien plus loin que simplement qu'avec la projection de lumière. Nous permet de créer des images totalement sorties de nos imaginaires respectifs, où l'on se fait vraiment plaisir quand on a carte blanche, comme ici. Et puis, ça nous permet surtout d'aller chercher aussi, chez vous, public, cette étincelle-là, cette magie que l'on aime à susciter en pratiquant le métier que je fais. Voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la lumière, mais c'est de la vidéo. Pour finir, rapidement, parce que je pense que j'ai un peu dépassé le temps, mais pour finir, je vais juste vous relater une situation qui est du vécu. C'est-à-dire qu'à contrario des technologies, des images que j'ai pu vous montrer jusqu'à maintenant, je me suis retrouvé un jour dans une situation où j'avais une amie qui était commissaire d'une exposition dans les jardins de l'Orangerie, dans l'Orangerie des Jardins du Luxembourg, et qui me demande de faire la scénographie avec elle. Et puis, à ce moment-là, je me suis dit, super challenge, super défi, de la lumière, de l'art contemporain et de la scéno dans un espace, c'est superbe. Ok, sauf qu'elle ne m'avait pas dit qu'elle voulait que je ne fasse pas de lumière, en fait. Elle voulait que je fasse de la scéno, mais que je fasse une mise en lumière avec la lumière qui rentrait par le haut de l'orangerie, qui était une serre. Et là, il a fallu, en tant qu'éclairagiste, qu'en fait, je tienne compte uniquement de la lumière naturelle, et que j'arrive à disposer et à proposer aux artistes un point de vue de leur toile et de leur sculpture
d'une certaine manière, dans un espace donné, avec la lumière du jour. Comme quoi, lorsqu'on peut aller parfois très loin avec un outil, un langage, un mode d'expression, ben, régulièrement, il y a des situations qui nous ramènent de l'autre côté, qui nous rappellent l'essentiel, c'est-à-dire la lumière du jour. Merci à tous.